Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un nouveau départ pour une soif d'aventure. Je me prépare pour une vie loin de chez moi. Ma famille, mes amis me manquent déjà. Quelle peine de ne pas savoir quand je vais les revoir. Voyage, s'habiller de folie et penser à rien en regardant le ciel, c'est essayer de voler vers d'autres horizons. C'est tenter de changer. Va visiter le monde. Deviens le voyageur qui refuse le vide de sa propre vie. J'ai frappé à ta porte. J'ai frappé à ton cœur. Un jour, tu frapperas à la mienne. Et tu comprendras que l'aventure n'est pas si facile, crois-moi. Alors moi c'est Loris, 16 ans, j'habite à Plémy et je suis passionné de cuisine. Je m'appelle Jeanne, j'ai 16 ans et je suis au lycée hôtelier du Nord. Je m'appelle Oscar, j'ai 16 ans. Ma passion c'est la musique, je fais de la guitare et j'adore les animaux. Alors je m'appelle Briac, j'ai 16 ans, j'habite à côté de Rennes et j'aime faire de la pâtisserie. Je m'appelle Enora, j'ai 16 ans et je suis au lycée hôtelier du Nord. Bonjour, donc moi c'est Tom et là on va faire un atelier sur le slam. Je sais pas trop ce que c'est et on va découvrir. Gimme, amen after midnight. Take me through the darkness to the break of the day. Je vais prendre un. Pourquoi on reste sur le fond? Non, on mettait ça dans le. C'est pas compliqué la pâtisserie, par contre il faut être très rigoureux hein, sur les grammages, les températures, c'est très rigoureux. Là. Non, quelqu'un a vu le sel fin? Là-bas. Dans le saut. Et après, on va aller faire un petit point au tableau avant de commencer le comptage de temps de repos. Je vais vous donner des clés au fur et à mesure. Vous allez voir, on va cheminer ensemble et on va arriver à faire quelque chose, j'en suis sûr. D'autre part, même si on travaille en groupe, moi j'aime bien m'adresser aux personnes, de personne à personne. Est-ce que vous pouvez me sortir juste vos prénoms, parce que ça va être difficile pour moi de tout mémoriser comme ça. Juste devant vous, écrire vos prénoms. Je vois de la suite. Il l'entend en scène parce que c'est lui qui est en aide. On peut trouver la voix de la suture plus tard, comme on l'a fait là. On peut trouver le verre et après on peut trouver plus tard. C'est comme ça que je m'interpelle. La musique, vraiment, c'est un soutien. Par exemple, si vous prenez des textes de chanteurs que vous aimez bien, vous prenez le texte et puis vous lisez le texte. Vous le lisez comme ça. Mais. Je sais pas le pourcentage, mais la moitié du temps, quand vous allez lire le texte, bien souvent, quand vous le lisez comme ça, juste comme ça, avec une voix normale, c'est nul. C'est nul. C'est-à-dire, ça vaut pas un clou. Sauf qu'avec l'interprétation, la musique et la force, le poids qu'on met dans les mots, bah, d'un seul coup, le texte, il devient tout autre chose. Bah non, je joue plus. D'accord.
c'est sympa maintenant, il y a quand même pas mal de slam aussi, il y a plusieurs langues qui se croisent donc. Peut-être pas comment ça y fait d'accord. On peut aussi. Allez. Allez, tierra. Vous prenez les petits papiers que vous découpez. Vous écrivez chacun trois messages sur l'éducation. Trois messages, d'accord ? Je les mets dans un panier. Je les mélange tous, je les redistribue. L'autre, il répond en dessous. Je les redistribue. L'autre, il répond en dessous. Et encore en dessous, et encore en dessous. Et comme ça, en fait, tout le monde répond à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Et à la fin, ça fait un texte et on le réorganise. Ça vous va, ça, comme idée ? Tu mets juste le début d'une phrase. Mais n'importe quoi. Et si tu... Par exemple, et l'autre il finit une phrase, mais il faut pas voir ce que l'autre a marqué. Et tu replies, et à la fin on déplie. Et déjà on fait une feuille la flemme, comme ça, et une feuille là, on fait deux tours. Oui, c'est incroyable. Oui. Ça semble bien. Hein ? Ça en est bien. Ça va y aller, hein ? Ouais, ouais. Allez, commence. Hein? C'est pas toi de la marquer? Comme toi, la nuit, tu as des coups. Et après, on repart pleine balle avec des trucs très anxiogènes comme ça. Ça peut être assez, assez beau. Mélanger quelque chose d'à la fois anxiogène. Et en même temps, qui fait passer la pilule parce que c'est très énergique et très rapide et qu'on tombe jamais dans le pathos. Ou est-ce que ça pourrait pas être un mec qui part au Mexique, qui prend des champignons hallucinogènes et qui se met à rêver et vous partez dans un truc totalement psychédélique. Un oiseau, une chouette ou n'importe quoi, un animal qui passe au-dessus des maisons et qui capte les rêves des gens comme une antenne comme ça. Non, comme les marchands de femmes. Genre, mais à travers une corneille ou un corbeau ou une chouette, à travers un animal nocturne un peu inquiétant. Bah t'as qu'à vendre du rêve. C'est un mec qui vend du rêve. Il est dans la cour et il vend du rêve à tout le monde. Mais il fera rien. Il faudrait que tout le monde lui réponde en même temps la même phrase. Tu sais, ce serait un espèce de truc qui résonne comme ça dans la tête. Tu sais, comme quand t'as de l'écho, ça fait... Ou que t'as des acouphènes, tu vois. Et là, ce serait hyper bien, ce serait... encerclé, tu vois, il faudrait que ce soit encerclé. Et quand on va le faire au micro, et bien vous enregistrez, et bien il y en a une qui va passer comme ça, avec la voix très proche, et les autres, je vais vous mettre sur un micro à 360, vous allez dire tout en même temps, et je vais mettre deux réverbes différentes, une avec qui te parle comme ça dans le creux de l'oreille, et l'autre qui est en stéréo comme ça. Et ça va être dingue. Et on mettra un instrument comme toi. C'est-à-dire que tu fais toutes les lettres de l'alphabet A, B, C, D. À chaque lettre A, tu commences ta phrase, tu finis ton paragraphe. Oh, tu commences le deuxième par B, tac, tac, tac. Tu commences le troisième par C, tac, tac, tac. Tu commences le troisième par D. E, ça peut être un autre truc. Et tu fais tout le truc. Parfois, ça peut aider à écrire si jamais tu es en galère, que tu sais pas par où passer. Structurer ton truc, ça peut t'aider à écrire. C'est parti. C'est ça, mais la folie, c'est pas le passage. Si, j'aime bien. Mais voyager. Moi, je mettrais voyager, virgule, c'est pas C. J'enlèverais C, je mettrais voyager, virgule, s'habiller de folie. Et ne penser à rien en regardant le ciel. Un nouveau départ pour une soirée d'aventure. Bien. Mais tu peux le mettre en opposition, ça, tu peux le prononcer en opposition avec ça. Mais ça, c'est pour que sa vie, elle soit riche, qu'elle soit pas vide. Tu vois ? J'ai frappé à ta porte, j'ai frappé à ton cœur pour avoir un bon lit, pour avoir un bon feu. Pourquoi me demander la longueur de mon nez ? Je suis un homme comme toi. Super ça. Ah ouais, j'ai un œil d'inspiration. Okay, c'est bon, t'as compris un film d'abord par faire ça. Ouais.
smiley qui rigole. J'ai vu un truc aux infos. Un prof avait mis des mauvaises notes à un élève à cause de sa couleur de peau. Chou, ils abusent à fond, ils ont pas le droit. Donc Romain Raoul, je suis proviseur au lycée hôtelier de Dinard depuis 4 ans. Da Silva, c'est un artiste que je connais depuis longtemps personnellement et que j'apprécie. J'ai découvert la palette de son champ d'investigation au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que c'est un artiste qui est multifonction. Il travaille pour les enfants et il chante, il compose, il écrit, il peint. Donc il a toute cette sensibilité nécessaire pour accompagner nos jeunes. Il est issu d'un milieu qui lui permet aussi, je pense, d'être proche d'un point de vue relationnel avec nos jeunes et de les mettre à l'aise. Ça, c'est important. La culture, pour moi, c'est un élément essentiel pour l'épanouissement de nos jeunes. Ils sont à un âge, là, en classe de première, parce qu'on travaille avec des classes de première sur ces ateliers, ils sont à un âge où ils ont besoin qu'on les invite à s'exprimer un peu plus librement, à oser se montrer, à oser parler, oser prendre une posture qui n'est pas celle du quotidien pour eux. Et la posture, c'est important, notamment dans notre filière hôtellerie-restauration. Ils ont besoin d'acquérir certains automatismes, notamment pour ceux qui se préparent au métier de la salle, quand ils vont aller s'exprimer auprès du client. Et là, il y a un lien évident avec ce qu'on peut faire lors de ces ateliers avec Da Silva, par la culture, trouver un certain naturel dans la manière de s'exprimer. Donc ça c'est essentiel pour les métiers auxquels nous préparons nos jeunes demain. Ah, moi je trouve les ateliers très sympas, et toi? Ouais, bah ça pousse à la réflexion, à bien, à par exemple pour rimes ou les choses comme ça, du coup c'est vraiment sympa. Ouais, je connaissais pas le slam, donc c'est cool, j'aime bien cette musique en vrai. Bah moi je connaissais un petit peu, mais sans vraiment faire attention, et c'est vrai que ça pousse à réfléchir, et c'est pas... Voilà, on voit ça autrement maintenant. En plus Manu il est trop cool. Ouais, vraiment très sympa. Je trouve trop cool. Là on est en train d'écrire le texte, ouais. Nous on fait sur le sport et la nature, genre à la réflexion, en fait nous on pense beaucoup à la réflexion. Ouais. On se sent à l'aise à écrire. Moi, je n'aime pas trop ça de base, mais je trouve ça sympa. C'est ludique, on est avec nos amis. Souvent, on se met des groupes de potes. Du coup, c'est sympa. Et en même temps, on peut rigoler, mais en même temps, on travaille. Du coup, c'est un côté vraiment sympa, sérieux. En même temps, du coup, c'est hyper... ouais, c'est bien, ouais, c'est sympa, bien. Quoi. Il a eu une famille, ce mec. Il a fait quelque chose en famille, tu commences à voir sa vie, quoi. Mais juste, par contre, il faut peut-être continuer un petit peu, parce que après, si on s'arrête directement au moment là, il faut... ça fait peut-être un peu court, non? Ouais. Aux coquillages que l'on ramassait, aux promenades sur la mer retirée, ou sur le... Ah oui. Tu vois, ou, qu'est-ce qu'on fait quand on a l'air marin, au cerf-volant des gamins qu'on voyait, qu'est-ce qu'on voit quand la mer elle se retire? Il y a de ça aussi dans l'amour, il y a quelque chose de narcissique dans l'amour, très narcissique. Et puis même genre qui reflète un peu genre l'univers qu'on a un peu dans notre esprit, de pouvoir leur sortir en disant je l'exprime. Exactement. Mais oui, sûr, bien sûr. Quand on arrive dans un établissement, on observe ce qui fonctionne, on le conserve, et puis après on modifie le reste et on ajoute des choses. Je crois que depuis plusieurs années, il y a une dynamique culturelle qui est lancée parce qu'il y a des équipes qui sont en vie, qui sont aussi à l'initiative de nombreux projets, et qu'on a su, au fur et à mesure du temps, au fil des années, créer du lien entre toutes les actions qui existaient. Donc on rajoute un petit peu... quelques saveurs, on va dire, pour redonner vie à certaines actions qui peut-être pouvaient être endormies. Là, tu pourrais mettre « Je sens l'iode dans l'air marin ». Tu vois, je sens l'iode dans l'air marin. Ça va, c'est bon. Ça se passe, la sieste? Ça se passe. Ouais, bien.
Dors, hein, fais pas trop d'efforts, tu vas tomber. Ouais. Je sens l'iode dans l'air marin. Manu Payet. Cher Lucas, j'espère que tu vas bien. J'ai dit à Sofia que je partais en vacances en Espagne et qu'elle pouvait passer me voir. Toi aussi, bien entendu. Si tu viens me voir, tu diras à Sofia que tu pars en séminaire. Cher Lucas, j'espère que tu vas bien. J'ai dit à Sofia que je partais en vacances en Espagne et qu'elle pouvait passer me voir. Je lui ai dit de me prévenir à l'avance pour ne pas qu'elle nous retrouve tous les deux. Quand tu viendras, dis à Sofia que tu pars en séminaire en Amérique. Cela nous laissera plus de temps. Bah, au début, on s'est un peu demandé qu'est-ce qu'ils allaient nous demander. Et bah, après, on a vite compris et c'était bien. Oui, bah, au début, c'était un peu compliqué. Je comprenais rien et tout, mais après, c'était parfait. C'est comme maintenant. C'est un rêve. On écrit bien et tout. Et après, on... Bah, en fait, on écrit notre pensée sur un feu et après, on lit notre pensée, comme on parle et tout. Je sais pas si ça se dit comme ça. On a fait un texte de slam. Enfin, nous, il parle du voyage, de la vie. On parle de voyage et de plein de choses intéressantes. Il est sympa. Oui. Il est drôle aussi. Oui, il est drôle. Ah, j'ai demandé, est-ce qu'à la fin, on peut faire des photos? Il m'a dit, bah oui, bien sûr. En plus, ils nous avaient ramené des gâteaux. Et bah prenez des assiettes à entre mettre. Ah oui, mais c'est super grand. Bon, non, elles sont pas super grandes. Et n'oubliez pas de me mettre des cuillères, il y en a là. Oui. D'accord, donc vous ne trompez pas. Donc celle-ci, ce sera la 15. D'accord, donc ce ne sera pas la 3, exceptionnellement, ce sera la 15. Bonjour, monsieur Raoul. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur le proviseur. Mais de toute façon, ceux de la brasserie, c'est juste comme ça. Non, c'est marrant. Mon avis. En fait, vous avez votre chiffre d'affaires qui se fait. D'accord. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien chaque client nous a rapporté. J'ai eu un parcours... d'épanouissement et de connaissances artistiques assez denses tout au long de mon adolescence. Je suis passé par tous les styles musicaux. J'ai appris à jouer de la guitare aujourd'hui et malheureusement elle ne sert plus beaucoup. C'est un objet de décoration plus qu'autre chose. Mais ouais, j'étais guitariste dans mon jeune temps et je suis passé par un peu tous les styles. J'ai appris à jouer en accompagnant, enfin plus sur un côté on va dire pop, chanson, et après j'ai monté un groupe de musique qui était plutôt hardcore. Et puis j'ai grandi aussi dans un milieu culturel parce que mon père dirigeait un centre culturel. Donc j'ai grandi au milieu des artistes, il avait créé un festival de jazz, donc j'ai eu la chance tout jeune de croiser des grands musiciens. J'ai assisté à 7 ans aussi à un concert de Léo Ferré qui restera gravé dans ma mémoire. J'avais pu échanger avec lui d'ailleurs, j'étais jeune certes, mais je me souviens de ce moment que j'avais pu passer avec lui à l'issue du spectacle. Voilà, j'ai croisé plein de gens intéressants comme lui qui certainement m'ont fait garder cette sensibilité que j'essaie de cultiver aujourd'hui dans mon métier. Les ateliers, ça avait l'air pas ouf, ça nous ambiançait pas trop, mais en même temps on avait déjà un peu des idées de faire une musique et donc on va dire que ça nous a un peu lancé. Et moi je pensais qu'on allait pas trop avoir le choix sur ce qu'on voulait faire, qu'on allait nous dire de faire quelque chose et que qu'on veuille ou pas, on allait le faire quand même quoi, et que du coup on n'aurait pas notre touche dans la musique. Je pensais que c'était vraiment Da Silva qui allait tout diriger, mais du coup on a vraiment le choix sur l'instrument, sur les paroles, sur le thème surtout quoi. Du coup ça c'est cool. Même moi en vrai j'apprécie d'être là, je trouve que c'est sympa déjà pour de lui qui viennent nous voir et tout, et puis même c'est une bonne expérience de
d'être avec un artiste et il n'a pas la même vision que nous on a des musiques et tout, du coup c'est cool d'avoir un avis comme ça. Il a l'air sympa, il a l'air Il a envie d'aider, vraiment ouais. Beaucoup je pense. Et ça se voit qu'il a investi dans son ouais. Travail, qu'il fait pas ça juste pour toucher son billet, ou c'est juste qu'il vraiment il aime bien faire ça et que ça le fait plaisir de nous faire plaisir quoi. Faut pas y aller avec l'idée de se dire qu'on va faire une musique connue ou quoi, mais juste se dire qu'on va passer un bon moment, que ouais, ça va être drôle et qu'on n'aura pas toujours l'occasion de faire ça quoi, surtout que c'est du bon matos et vraiment c'est cool quoi. Et il se présente avec une voix de bisounours. Eh ben non, mais c'est non, bah alors, t'es chaud ou t'es pas chaud? Bah si. Bah alors, t'es chaud? Donc tu prends ta voix la plus grave. J'ai une vie stable, une femme avec qui j'ai marié depuis 3 ans maintenant. Mais à cause de vous, j'ai plus rien. Plus d'emploi, plus de possibilité d'exercer mes passions. Et en instance de divorce. Quand on nous a expliqué qu'on devait faire des ateliers d'écriture, ça m'a beaucoup plu. Quand on m'a dit que c'était un atelier d'écriture, on faisait des slams et tout, au début j'étais surprise, mais agréablement surprise. Et j'ai appris à aimer ça quoi. Et Manu est super sympa, il nous apprend beaucoup de choses, ouais. Il travaille beaucoup pour nous, il fait beaucoup d'heures. Il fait beaucoup d'efforts. Oui, beaucoup d'heures de travail supplémentaires pour nous. Bah, dans cet atelier, on a déjà fait, donc au premier temps, on a écrit un texte, on devait donner des idées, après on s'est tous réunis et on a donné tous des idées pour tous les textes et maintenant on est en train de slammer sur des chansons. Sur des instrus de musique. 3, 4. Bon, vas-y, fais-moi la voix. Chut, chut, les filles, il faut qu'ils se concentrent. Fais-moi la voix. Je suis professeur de high school. Alors, tu veux que je t'explique un truc? Pour que ça marche, non mais il y a un truc, pour que ça marche, c'est vrai, je te dis. Pour que ça marche, il faut que tu parles pas fort. Chut, les filles, il faut que tu parles pas fort, proche du micro, d'une voix sans intonation. Moi, je sais pas trop pleurer. Ouais, ok, bah je vais essayer. Je vais essayer à l'autre jour de minuit. J'ai jamais pleuré, moi. Ah ouais, c'est vrai. Bon, ça m'arrive tous les jours, j'ai l'impression. Vas-y. Ok. Pleure, Germaine. Super. Ah bah tu pleures, hein. C'est crédible. J'étais vraiment en train de pleurer. Bah c'est crédible, hein. C'est super, on dirait une actrice. Ouais, je sais. Violente sensation d'étouffement qui nous tient, ne veut pas nous lâcher. Ensevelir nos sentiments, dissimuler nos émotions, rien ne doit paraître devant ces jeunes gens. T'as vraiment et la voix et le timbre. Et le jeu d'une actrice, quoi. Mais je trouve qu'il y a deux erreurs d'interprétation, là. Ouais, faut pas que j'accentue sur les années et... Et sur 10 ans et sur... elle. Depuis qu'il est mort, toutes les nuits, je n'ai jamais cessé de revivre tout ça. Je revois fermer la porte à clé, baisser mon pantalon, mettre sa main sur ma bouche, me dire d'être sage, que ça me fera du bien, puis partir en me félicitant d'être un gentil garçon. Maintenant, j'ai 12 ans. Et je me déteste chaque jour un peu plus. Elle ne sert pas ce que nous. Et là. Vous avez écrit ça, vous assumez. Ouais. Ok, là, on pose les termes. Ouais, vas-y. Exactement. On y va? Ouais. Go! Le
le pire, si on n'a pas d'inspiration, on parle juste de ce qui nous a marqué l'année dernière, comme comment il s'appelait déjà. Comment il s'appelait? C'était pas... C'est Flo Segura, pas capable de payer le McDo ni le Pépito. Bah ouais, pas de peine. Bah ouais, c'est vraiment chill de ouf, là. Sous la pluie, j'atteins le dernier axe. Rue Saint-Louis, assis sur mon banc, les phares défilent. Moi seul, sans elle, je ne l'entends plus. Noir, c'est noir, t'as plus d'espoir. Et pourtant, je me les gèle et je regarde l'heure, 3h18. Le temps m'incite, je le quitte, je marche, je vois, devant moi une lueur, j'ai peur. Peur de ce tunnel, au fond, une lumière, mais cette peur devient lueur. Noir, c'est noir, t'as plus d'espoir. Et pourtant, je me les gèle et je regarde l'heure, 3h18. Le temps m'incite, je le quitte, je marche, je vois, devant moi une lueur, j'ai peur. Peur de ce tunnel, au fond, une lumière, mais cette peur devient lueur. Quand on a commencé les ateliers, moi je pensais que j'allais m'ennuyer, personnellement. Ouais, moi aussi. Mais en vrai, ça se passe plutôt bien, c'est super intéressant. Ça se voit que bah, il est là pour nous apprendre des choses, et c'est super bien expliqué, super clair, et c'est marrant. On apprend des choses, même on... Comment dire ? On crée des... En vrai, on crée des liens avec les autres, je trouve. Enfin, avec notre équipe. Et voilà, et ça se voit qu'il est là pour, ouais, pour le plaisir et pas par contrainte. Manu, en vrai, il est sympa. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que ce serait quelque chose d'assez strict. Mais c'est assez libre et ça se voit que bah, il aime bien ce qu'il fait et qu'il aime bien transmettre. Oui, il est là parce qu'il aime ce qu'il fait, en fait. Donc, il est très sympa et je pense... S'il voit qu'on veut travailler, il viendra vers nous et voilà. Je suis Perrine, je travaille au lycée hôtelier Yvon Rouge de Dinard. J'enseigne le français. Ils m'ont surpris, leurs textes effectivement sont très aboutis. Et ils m'ont surpris parce qu'ils ont réussi tous à les mener jusqu'au bout. La culture, bah oui, c'est une place primordiale effectivement au sein de l'éducation. Parce qu'on a tendance à la laisser de côté, à normaliser les choses. Et effectivement, bah là au moins, ça a repris sa place au sein des apprentissages, je pense. Vous avez l'ensemble des consignes pour constituer votre anthologie. Méfiez-vous, cette anthologie, du coup, les textes sont notifiés sur un recto verso. Cette lumineuse rupture fait rêver une âme au jus de cette secrète architecture. Ça m'a vraiment appris à les connaître un peu plus, effectivement, à connaître leur sensibilité, ce qu'ils aimaient faire. Ça me permettra sans doute... De travailler dans ce sens tout au long de l'année, quoi. Je ne connaissais pas Dacilua avant les ateliers. C'est quelqu'un de très chouette. Pour lui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de frontières. Et ça me plaît. Je suis Elodie Ardouin. Je suis professeure d'espagnol au lycée hôtelier de Dinard. Je travaille ici depuis 3 ans. Dans ces ateliers, il y a une particularité pour les élèves. C'est que Stéphanie Lacache donc, est la réalisatrice qui vient... poser son regard sur ce processus collectif de création des élèves. Et en fait, il y a eu des moments d'interview en solo, un peu les avant-après. Ils se sont sentis directement... on a commencé comme ça le premier jour et du coup, ils ont senti qu'ils allaient être observés dans ce processus de création. Et du coup, ils ont plutôt l'habitude de se mettre en scène dans cette nouvelle génération-là, comme ils le veulent, sous contrôle d'eux-mêmes. Enfin, il y a quelque chose de leur rapport à l'image est très auto-centré. Et du coup, là, ils sont obligés d'accepter ce regard de méta-observatrice, en fait, qu'a Stéphanie, qui a un regard à la fois qui voit l'ensemble et qui essaye d'aller dans la finesse de chacun et de chacune. Et ils lui ont fait une grande confiance et je pense qu'ils sont maintenant à l'aise avec ça. Il y a l'émotion de les voir écrire, de les voir rentrer dans l'écriture.
et dans une écriture qui n'est pas individuelle et qui est collective. Ça me semble un travail admirable sur eux-mêmes parce qu'ils sont obligés de passer de l'autre côté. Alors nos élèves, c'est un public particulier parce que donc ils sont en hôtellerie-restauration, donc du coup ils se dirigent vers des métiers de bouche, en gastronomie, en hôtellerie, en sommellerie et en bar. Et je crois que ce qui est extrêmement agréable, c'est qu'ils ont déjà, dans leur métier, dans leur futur métier, ils ont déjà une certaine idée du beau. La quête du beau et la quête de la liberté, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut changer la vie de quelqu'un en général, et particulièrement d'un ado en construction. Da Silva, moi je le connaissais de nom, mais je pense qu'il a l'habitude de travailler dans des milieux fermés. Alors, fermés ou enfermés, en fait, c'est un peu ça, ce que je ressens. Nous, ici, on n'est pas dans un milieu enfermé. Et du coup, il a réussi à travers la pratique vraiment artistique, de les amener vraiment à la représentation d'eux-mêmes, de leurs textes. C'est comme s'il avait, ouvert une brèche, quoi. Ouais, c'est pas mal. Alors, t'as le casque ici. Tu peux mettre sur tes oreilles. Tu chantes bien face au micro et ton téléphone pour ton texte, tu peux le coller au fond, là, comme ça tu peux lire. Ok. Ouais. Sauf si tu connais ton texte par cœur. Non, pas encore. Bon, alors mets-le là, parce que sinon tu vas t'aider de le regarder, donc essaie de le mettre ici. Comme ça. Et puis voilà, tu pourras le lire. On entend tout dans le micro. On entend tout dans le micro. Donc vas-y, tu peux t'avancer encore un petit peu. Voilà. Très bien. Pas l'intro, mais là, directement sur le son. Tu vas arriver quand il veut la partie où il y a la guitare électrique sans le piano. Pourquoi il y a le pomble là? Là. Comme une étiquette sur la bouteille. Ça m'évade de ce monde. Je voudrais pas y être. Je bois tous les soirs. Et j'aime ça. La première fois que j'y ai goûté, j'étais sous mon influence. Et depuis, je suis scotché, comme une étiquette sur la bouteille. Toi, ce que tu dis, t'es dans l'ordre de la confidence. Donc c'est pas la peine d'être vindicatif. Comment ça? C'est pas la peine de vouloir dire des choses. Toi, c'est comme si tu te confiais à quelqu'un. C'est comme si tu te parlais à toi-même. Ça m'évade de ce monde, je ne voudrais plus y être. Je bois tous les soirs et j'aime ça. Première fois que j'ai goûté, j'étais sous son influence. Alors que elle, tu vois, elle dit ça, elle se justifie, puis elle revendique qu'elle prend son pied en picolant, quoi, tu vois. Et c'est reparti. Un petit pour Bibi, on enchaîne 10, les bouteilles se vident, mon estomac se remplit. C'est à ça que je passe mes journées. Moi, j'aurais mis pour que ça rime, mon estomac se remplit, c'est à ça que je passe mes nuits. Senteur du mélange des trois alcools différents. La senteur du mélange des trois alcools différents. La senteur du mélange. La senteur du mélange. Des trois alcools différents. Des trois alcools différents. Cocktail étonnant. Cocktail étonnant. Depuis que j'ai goûté. Depuis que j'ai goûté. Je m'arrête pas. Je m'arrête pas. Ça m'évade. La première fois que j'ai goûté. La première fois que j'ai goûté. J'étais sous son influence. Un max de sous, mais c'est pas la hesse. On déboule seulement pour de l'espèce. Eh, Bélec à toi, y'a du sang sur ta caisse. Si c'est pas le mien, c'est celui de ta tête. Quoi? Dans la rue, c'est chacun pour sa peau. Tant que les choix, faut vite les faire. Dans mes rues, y'a pas de pudeur. Et j'ai bien picolé. Et j'ai bien picolé. Quand je suis défoncé. Quand je suis défoncé. Je suis sincère. Mais la gueule de bois. Dès le matin. Ça suffit. Thank you.
Les liens, ça ne se brise pas. Les liens, c'est incomparable. Les liens, c'est implacable. Les liens, c'est sacré. Pas besoin de les écraser. Je passe et repasse sur ce lien qui me dépasse. On a fait des rencontres extraordinaires, avec des gens extraordinaires aussi. C'était super bien. Donc merci beaucoup. Au fur et à mesure de tous les ateliers, on a vu qu'on commençait à écrire, ça nous plaisait. Enfin moi ça m'a beaucoup plu. Franchement c'est une superbe expérience. Genre j'aurais jamais pensé ça. Quand on voit Manu et tout, grave sympa, dans une bonne humeur, une bonne ambiance. Et c'était trop bien de découvrir, d'entendre sa voix et tout dans le casque, de slammer. C'était grave bien. Irréel. Qui devient réel. Et indescriptible.